Next question 3. Linda doit find the term in x power 10 in the expansion of 3 plus x squared power 6. Pareil, même style. De sa expansion là, 3 plus x squared power 6. Moi, pour besoin de ce term qui peut donner x power 10 là. Ok, ça veut dire term in x power 10. Ou soit term having x power 10. Ok, right? Li pou bizan, sa yon mou pou bizan 10 sa term la. Li pou bizan de sa format la, 6 c n chif, ki chif mou pa konen, mou pou pense n chif anman. La sa dtn la, ou mette da bracket kom sa, 3, ek, positif x square, la sa chif la vin parey la. Next, si te bizan fè 6 retire sa chif la. Next, sa stèr nou pou rezonne nou pou travay. Li nè mou bizan x power 10. Là, des années x square, moi, je peux mettre power 10 ici, sinon, il peut mettre power 20. D'après vous, qui m'a besoin de mettre de sa bracket là, ici, soit de sa carré là, pour qu'il puisse result in x power 10. Ok, je vais finir ici, nous pouvons mettre 5 ici. Ok, là, ici, il y a 5. Là, automatique pour venir 5. Ce qui est là, ici, il y a pareil là. Là, 6 retire 5. Ici, vous pouvez faire 6 retire 5. Ok, allez, right, nous simplifier. Vous trouvez là, il est facile, si vous connaissez ce trick là, vous allez bien vite. Right, 6 c'est 5, je crois qu'il y a 2 6. 6 c'est 5. 6 c'est 5, donc tu as 6 fois next 3 power 6 retire 5 fait n, 3 power n fait 3 fois x power 2 power 5, vous savez power low, pour vous en multiplier ça des valeurs là, il y a x power 10, là il y a tout simplement 6 fois 3 fait 18, x power 10. Ok, il demande à find the term in x power 10. Ah, là, ça c'est term in x power 10. À cette question-là, tu es capable de demander à demander le coefficient of x power 10. Là, là, c'est ce coefficient-là, tu as besoin de demander. Pas ça qui est ta réponse, tu demandes ce qu'il y a devant x power 10. Mais là, il demande à term in x power 10. Mais le term là, complète, ça c'est ta réponse. Right? Ça veut dire que expansion, ça term qui pour na x power 10, ça c'est sa term là, 18 x power 10. Ok? Next question, 4, je vous fais, vous avez fait bien attention. Là, il demande de demander le coefficient of x power 4. Ça veut dire que quand vous faites une expansion, right, power 8, vous prenez 9 termes. Vous prenez un terme qui prend x power 4. Dans ce terme-là, vous demandez le coefficient, ce qui est devant x power 4. Alors, avant, on a le coefficient of x power 4. Nous, on a le terme in x power 4 avant. Ça veut dire que dans cette expansion-là, quel est le terme qui prend x power 4? Vous avez ce general format qui peut comme ça, 8c. Un chiffre là, ça DTM là, de bracket, n retiré de x. Sa chiffre là, il monte divine là, elle a 8 retiré sa chiffre là, divine ici. Right, next, ça c'est qui peut arriver. Nous pouvons besoin x power 4. Veux dire, ici, ça est des n à x, ici, automatique, besoin mettre 4. Pour qu'il result in x power 4. Là, c'est ici, 4, ici, divine 4, ici, divine 4. Next, nous simplifier. Qu'il est pour venir 8 c'est 4, comme elle dit de moi. 8 c'est 4. 8 c'est 4, donne-moi 70. Ça dépend de 70. Fois n power 8 retire 4 fait 4. N power 4 fait 1 n. Fois négatif 2 x power 4. Négatif 2 power 4. Négatif power even number living positive. D power 4 fait 16. X power 4. Là, il y a une multiplication 70 fois n fois 16. Devine 70 fois 16. Nous multiplions et donne-toi 1120. Devine 1120 x power 4. Ok, réponse 1120 x power 4. Mais ça, c'est term in x power 4. Mais question, il demande coefficient. Coefficient of x power 4. Veut dire que ce terme-là, quand tu peux expander, pour un terme qui prend x power 4, il là. Mais il demande ce coefficient-là. Tu demandes ce chiffre qui est devant là. Il vient 1120. Ok, ça, c'est votre réponse. Lire la question-là, bien guetter si je ne réponds pas une question. Right? Next, question 5. Si vous trouvez toutes les questions, les nouveaux, toutes les questions différentes. Et là, nous avons fait nouveau tout pour apprendre. Là, il y a l'expansion x plus 3 le x power 9. Là, il y a maintenant un coefficient of 1 over x. Coefficient of 1 over x. Ça veut dire que ça peut result in 1 over x. Ça veut dire que tu n'as pas une réponse comme ça. Par exemple, 81 1 over x. Tu n'as pas un terme comme ça. Ou soit, quand tu peux simplifier, tu viens comme ça, 81 n le x. Ça veut dire que tu peux avoir un terme de ce format là. Que comment dire, il y a 1 over x. 1 over x, je veux dire. Il n'y a pas de même coefficient of x, coefficient of 1 over x. Ça veut dire qu'en bas de la dénominateur, il y a x power 1. Ok, je peux avoir un terme comme ça. Que de la dénominateur, il y a x power 1. Ok, right. Alors, dans cette expansion là, nous parlons de ce terme having 1 over x là avant. Nous parlons de ce coefficient là direct dans le terme là, having 1 over x. Lequel terme qui prend 1 over x? Ok, ce general format, je connais 9, c, n chiffre ici. Ça dit, il y a un bracket, x est positif, 3 lo x. Next, ici,
La ligne est un petit peu compliquée, nous pouvons besoin raisonner là. Je ne peux pas prendre un crayon, essayer, pas nécessaire presser, et voilà, il n'y a pas de niveau pour presser ça. Right? Là, on va prendre, là, on écrit dans le format, là, on va essayer. Parce que vous avez 10 options, 9C0, 9C1, 9C2, 9C3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lesquels qui pourraient result in 1 over x? Get bien, nous pouvons besoin finir diviser ça DTM x là, les là, on va gagner qui pour gagner x power n là. Et x power n là, besoin d'être dénominateur, pas de numérateur. Par exemple, faire comment arriver, mon c'est, moi, pas connais, c'est pas 4, 9C4. Ok, les là, 4 là, monte là. Et si il pouvait une 4. Est-ce qu'il pouvait une x power 1 over x? Ça veut dire x ça pour descendre en bas. X power 1 est dans le dénominateur. Suivez. Là, tu peux trouver une x power 9 retiers. N'oubliez même le chiffre là. Nous avons dit ça dans le TMX à toi. X power 9 retiers 4 fait 5. Il y a une x power 5 là-haut. Qui te peut besoin de multiplier avec en bas, tu peux gagner x power 4. Tu peux remarquer. Ici, pour gagner x power 5. En bas, ici, pour gagner x power 4. Là, que tu peux diviser qui peut arriver. Il pouvait une x power n. Et moi, je suis besoin de x power n là-haut, moi, je suis besoin de x power n en bas. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de gagner 5 en bas, 4 là-haut. Comment je suis capable de faire ça? Si, ici, je fais 9C5. Si je fais 9C5, travail là, je pense faire. Et ici, pour on a 5, c'est-à-dire, là, power en bas, là, il faut venir x power 5. Et là, ici, 9 retire 5, fait toi 4 là-haut. Et là, x power 4 divisé par x power 5, il faut venir x power negative 1, parce que x power 4 divisé par x power 5, bien x power negative 1, ou soit il pouvait 1 over x pour recendre x en bas. C'est ce qui m'a fait rouler. Je veux dire, ce qui m'a fait rouler là, je vais gagner dans 9C5. Je vais vous trouver comment. Alors, je vais prendre un crayon CC et filer dans la blanche. Je vais vous finir de trouver une seule option qui pouvait être. Il n'y a pas ça difficile là. Nous parlons de ça l'expand, tout à l'expand, tous les 10 TM là, on parle de ça. Ça, j'ai le format là, on va casser rangé. Fini de connaître qui l'y peut demander. Ok, 9C5, vous donnez-toi combien? Nous checkons un coup 9C5, comment il fait? 9C5 qui donne moi 126 fois x power, là où pour un x power, 9 retire 5 fait 4 fois, ici 3 power 5, combien de moi 3 power 5, 243, 243 over, en bas pour un x power 5. Assez faire attention quand on peut travailler, on va mettre ça au 1, mettre ça au 1, simplifié, pas pressé. Là où le numéro est 126 fois 243, 126 fois 243 qui donne moi 30 618. Next, na x power 4 divisé par x power 5. Je finis connaître pour rester x power n en bas. Ok, right, tu veux x power n en bas. Soit, tu peux venir x power negative 1, 4 retire 5. Là, tu peux venir en bas, tu veux x power 1. Ok, same qui tu peux demander à ça, TM là. À ça, comment tu es capable d'écrire ça? Tu es capable d'écrire ça comme ça. 30 618 fois 1 over x. Les mêmes affaires, ça, regarde là. 30 618 fois n fait 30 618. En bas, tu te mets n fois x fait x. Veux-je qu'il peut demander toi? Il peut demander toi TM là, il peut demander toi coefficient of 1 over x. Veux-je qui chiffre qui est là devant 1 over x? Ok, coefficient là, tu finis gagner 30 618. Veux-je answer? The coefficient of 1 over x, nous gagnons 30 618. Ça, chapitre là, il est extra intéressant. Ok, c'est bien celui qui met sérieux, les autres, il est extra intéressant. Arrête là, ok. Next, nous avons question 6. La question 6, vous en faites bien attention parce que c'est un petit piège là. D'abord, si ce parti A, nous avons find in ascending powers of x the first three terms in the following expansion. Mais j'ai une autre expansion pour faire, nous avons trois premiers termes de tous les deux. Ok, c'est facile. Allez, parti A, premier là, nous faire n plus 2x power 5. Nous avons dit nous avons trois premiers termes. Ça, je vous désigne comment vous faites ça. 5C0, n dx de bracket, ça c'est le premier terme, plus 5CN, n et dx de deuxième bracket. Next, plus 5C2, N et 2X. OK, on finit faire 3 premiers termes, plus point, point, point. OK, right. À ça, si nous simplifions, 5C0 fait N, N ici DX, plus 5CN fait 5, N DX, plus 5CD fait 10. OK, nous confirmons. Right, on a des affaires pour finir mémoriser. 5CD fait 10 fois N fois DX, plus, les continuer, more interested avec 10 3 premiers termes, N fois DX fait à DX. Non, ne pas remplir bien de choses. Regarde comment nous presser. Trouver la travail pressé, pas voir que ça va remplir. Ok, je ne vais pas me suivre. Regarde là, 0 divin ici, n divin là, 2 divin ici, next 5 retire 0 fait 5, 5 retire n fait 4, ici 5 retire 2 fait 3. Ok, à ce niveau. Ok, je vais faire travail brut là. Ça n'a correct n, ici dx power 0 divin, n fait bien donc, là. Dx power 0 divin n, ici 5. N power 4 fait toi n, dx power n fait à dx. Ici 5C2 divine 10, n power 3 divine n, dx power 2, 2 power 2 fait 4 ici.
avec x square divina. OK, plus point, point, point. Et là, si nous simplifions, n fois n fois n fait n, plus 5 fois n fois dx fait à 10x, plus 10 fois n fait à 10, fois 4 fait à 40x, x square. Nous allons checker 10, là, bien bon, 3d, OK, top. Plus point, point, point. Alright, ça c'est la première partie que tu expandes. Next, nous check deuxième partie qui l'injet nous expande. Deuxième partie, l'injet expande, d retire x power 5. OK, allô, pareil, 5 c'est 0, 2, négative x, plus 5 c'est n, 2, négative x, plus 5 c'est 2, 2, négative x, plus point, 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 0 monte là, n et 2, next 5 retire 0 fait 5, ici 4, ici 3. OK, 5 c'est 0 fait n, 2 power 5 fait 32, négative x power 0 fait n, plus 5 c'est n fait 5, fois 2 power 4, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, fois négative x power n fait négative x, plus 5 c'est 2, je trouvais la divine 10, 2 power 3 fait 8, fois négative x power 2, divine positive x square, comme plus dot dot dot, divine, ici 32, ici, fait négative 80x, right là, next, il fait positive, ça termine 80x, x square. Right, plus, point, 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 il continue. Right là, ça c'est de d-expansion. Next, partie B intéressant, parce que partie B qui dit de même toi, il y a toi, hence, find in ascending. Ça m'a hence là bien pourtant. Hence veut dire vous besoin allô, ça veut dire vous besoin continuer. Right, ou besoin service ce que vous faites là-haut. Veut dire hence veut dire continuer ça dévoile, veut dire service ce que vous faites là-haut, pour te find the first three terms in this expansion. Alors, get this expansion là. Comment ça expansion là et ça d'expansion là related get là? Get this expansion là, quadratic expression, power 5. Ici, the power 5, ici, the power 5. Mais au milieu, il y a une quadratic expression. Ici, il y a des linear expression. Quand tu connais, quand nous parle factorial, ça, il pouvait, ça dit expression là. Nous pouvons check ça. Alors, ce qu'il nous faut faire pour partie B, get moi, je vais faire à côté là. Pour partie B, d'abord, ce qu'il nous faut faire, pour consider ça. TM qui est dans la bracket là, c'est expression là, d plus 3x, retire dx square. Nous sommes factorisés ça, nous mettons dans le general format, négatif dx square plus 3x plus 2. Allez, nous factorisons ça ensemble. Right là, ok, au milieu là, nous pouvons coupler en début. Right, nous verrons des chiffres qui connaissent pour multiplier, vous avez a times c, négatif 2 fois 2 fait à négatif 4. Et quand tu as 2, vous avez b, b ici dit 3. Qui ça des chiffres là, ça? Et là, négatif n4, oui, négatif n4. OK, ça veut dire sum product, ça veut dire que product sum, ça veut dire que deux facteurs sont négatif 1 et 4. Négatif dx square, premier chiffre là, négatif 1, connecté lié avec x, plus 4 connecté lié avec x, plus 2 te copier pareil. Pareil comme un factorage quadratique. Right, ici, négatif x common, vous avez remarqué négatif x common qui pourrait rester dx plus n. Right, ici, 2 common, il pourrait être dx plus n. Next, des brackets pareil, grouping, divine dx plus n. Right, négatif x. Plus 2. Vous avez remarqué que quand tu factorises cette expression ici là, il vient pareil comme ça des termes là, là. N plus dx, t moins 6, c'est pareil là. Mais swap ça va en termes là. N plus dx, ici d retire x. Veut dire, si nous guettons bien, ça c'est qu'il y a un expand, d plus 3x retire dx square, power 5. Nous sommes capables d'écrire ça en dollars, là, nous, si nous factorisons, il vient n plus 2x fois d retire x. OK, après n power 5. Assez d'après la loi indices, right, que dtm peut multiplier ou qu'apporter à sa power là, tu l'as dit, il peut venir n plus 2x power 5 qui peut multiplier avec 2 retirer x power 5. Ça dit là, il peut multiplier. OK, right, assez ça dit là, nous allons finir expand. Oui, nous allons finir expand, ça dit là, il dit là. Nous allons finir expand, ça dit là, je vous trouve là. Mais copier la réponse là, ça première là, que tu expandes sur 3 premiers termes qui est venu n. Plus 10x, plus 40x square, plus si tu continues. Right? Si tu pas de demande, toi, maintenant après là, tu n'es pas pour servir maintenant après là. Mais que 3 premiers termes là qui est important. Veux dire, la question là, il est organisé de façon pour te servir. C'est ça, 3 premiers termes là pour sa partie là. D moins 6 power 5, nous tu gagnes 30D, retiré 80x, plus 80x square. OK, plus point, point, point. Right? Là, get ça des termes, bracket là, puis multiplier. Là, nous prenons une expansion pour nous faire là. Ça, pour faire avec ça là. Après, la question est de find the first three terms. Moi, intéressé, c'est ce premier trois termes. Alors, fais bien attention. Quand vous faites cette expansion, là, moi, vous vous insistez trois premiers termes. Fais bien attention. Constant term, qu'est-ce que ça a? Vous voyez, là.
Si je prends ça, n ici, là, il y a 3 termes qui peuvent multiplier avec 3 termes pour 6, 9 multiplications en tout. N pour fois avec ça 3 là, 10x pour fois avec ça 3 là, 40x pour fois avec tous les 3. J'ai 9 multiplications. Moi, j'ai tous les 9 moi. Moi, j'ai besoin de 10, moi, servir mon esprit, moi, j'ai besoin de 3 premiers termes. Je veux dire, moi, j'ai un constant terme. C'est qui pour demain chiffre. 10, n fois 32 qui pour demain chiffre. Pena encore un terme depuis ici qui pour fois pour là-bas pour donner un chiffre. Je veux dire, de constant terme, moi, j'ai 10, n fois 32 fait 32. Ok? Je veux dire, premier terme incorrect. Next, moi, le deuxième terme. Deuxième terme, le bout terme qui est dans x. Lesquelles multiplications qui vous donnent toi x, qu'est-ce là? N fois moins 80x. Si tu prends n ici deux fois avec négatif 80x, tu peux gagner ça tmx. Mais fais bien attention à encore un tm qui te gagne x. Qui tm qui te gagne x, get si tu fais 10x, ça te fois aller avec ça 32 là. Tu vois là? Et là, encore un tm qui donne toi x là. Si tu fais 10x fois 32, il vient 320x. Ça veut dire encore un tm qui donne x. Mais ça, c'est des like terms qui vous besoin de là, tu peux gagner ça total, ça premier terme, ça deuxième terme là, ça terme qui prend x là. Next, premier terme incorrect, ça de là, vous pouvez combiner, vous pouvez gagner deuxième terme, troisième terme, vous pouvez terme qui vous gagne x square. Lesquelles multiplications qui vous donnent pas x square, il y a trois multiplications, qu'est-ce que vous servez de l'esprit là? Si tu prends n, tu peux fois avec 80x square, vous pas expandir net, vous pas besoin de tout expansion, tout de neuf expansion, tout de neuf multiplication. C'est ce qui est bizarre qui vous peut rouler là. Get n fois 80x square pour faire ta 80x square. Mais est-ce que c'est juste sa multiplication là qui peut donner toi x square? Non. Si tu fais 10x te fois avec négatif 80x, ça non, c'est pour donner toi x square. Parce que 10x fois négatif 80x, vous faites un négatif 800x square. Next, est-ce qu'il y a un point? Et il y a un point, regardez là. 40x square te fois avec 32. Oui, ça n'a qu'à faire. Avant de finir, regardez-moi 40 fois 32, comment tu fais toi? 40 fois 32 donne toi 12,80. Je veux dire, 40 fois 32 fait à 12,80. Mais pas oublier, il y a x square, 12,80 x square. Ok, right, à ce n'est que simplifier de notre réponse finale. Right, ce qui peut demander, je vais simplifier, je vais mettre là-haut. 32, constant term, 32. Négatif 80 plus 320, faites à combien? Négatif 80x plus 320, puis faites à 240. Et déjà, ça dit là, quand je vais mettre positif 240x. Next, à ce n'est que nous avons un terme qui peut demander x square, là, 80 retire 800. 80 retire 800 plus 12,80. Qui peut demander 560. Et le troisième terme, il peut 560x square. Aïe là, plus point, point, point. Vous connaissez encore une expansion, encore un terme qui vous gagne d'expansion là, mais trois premiers termes qui sont pour venir ici. Je vais te suivre comment vous raisonnez pour travailler là. Je ne vais pas faire travail en plus du tout. Ok, ce chapitre là, c'est où besoin qu'on cible et on fait travail, c'est ce travail qui est bizarre. Je ne vais pas faire expansion pour rien, ce qui est bizarre que je vais faire. Ok, ça veut dire que ça dit là, motivé déjà fini expandir de partie A. De partie B, je vais besoin de multiplier tous les deux cette réponse. Mais je vais besoin de trois premiers termes. Alors, je prends terme qui est constant term having x square. Là, je vais besoin de tout. Là, je vais gagner mon réponse finale.